Shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons prier sur l'abondance dans la créativité. Et voici les points importants. Pourquoi il faut prier pour avoir un esprit d'abondance dans la créativité? Et je vais aller d'une manière pragmatique et directe. Par exemple, comment Dieu nous a créés? Dieu nous a créés Elohim. Elohim qui veut dire le créateur. Elohim, c'est le créateur. Donc Dieu nous a créés Elohim. C'est Elohim qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, tous ceux qui ne créent pas sont dominés. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de créativité sont obligatoirement d'une manière, je ne sais pas comment je vais le dire, mais on te domine quand tu n'as pas d'imagination fertile. Tous ceux qui ne créent pas sont écrasés, sont dominés. Je donne l'exemple aujourd'hui de ceux qui disent souvent que les blancs dominent sur les noirs. Prenez l'idée. Le blanc a créé quoi? Bateau, avion, portable, quoi je vais dire encore? Beaucoup de choses qu'ils créent. Ils investissent des milliards sur tous ceux qui sont surdoués. Et ceux-là sont des chercheurs, des savants, des scientifiques pour trouver une solution aux crises ou bien aux situations dans les nations et même pour développer eux-mêmes leur propre nation. L'Africain est resté toujours dans le niveau archaïque. Donc, celui qui crée utilise celui qui n'a jamais créé. Donc, du coup, on se dit, on ne me donne pas de la place, mais parce que tu ne crées pas, tu ne produis pas, tu consommes. Celui qui consomme est esclave de celui qui produit. Donc, il faut maintenant avoir la nature Elohim, la créativité. La nature Elohim, c'est la nature créative. Il faut créer. Ce que je fustige toujours depuis un temps, c'est de voir que les chrétiens évangéliques sont accrochés seulement à certaines choses. Mariage, anniversaire et voyage. C'est ces choses seulement qui les intéressent. Et puis on dit à des gens, il faut donner et tu seras très riche. Il faut donner et tu seras très puissant. C'est bon de donner. Mais c'est la personne qui a créé, qui sème et qui sera riche. Attends, tu n'as pas défriché un champ. Tu n'as pas préparé un terrain. Et puis tu prends la graine comme ça, puis tu gênes dans la brousse et puis tu dis non, j'ai semé, ça va pousser. Le bon cultivateur, c'est celui qui d'abord défriche un terrain. Après avoir défriché le terrain, d'abord il doit identifier que ce terrain-là peut réussir, le haricot peut réussir dessus, l'igname peut réussir, le maïs peut réussir, le café, le cacao. C'est selon ça qu'il cherche la graine. Et quand il finit de défricher, il fait ceux qui ont besoin de buts, ils font les buts pour ceux qui ont besoin de buts. Ceux qui n'ont pas besoin de buts, ils font les sillons. Et puis, maintenant, on plante. Et on attend la pluie maintenant. Donc, les chrétiens évangéliques surtout, ils n'ont aucun projet. Le champ, là, c'est le projet. Ils n'ont pas d'imagination fertile. Ils ne créent pas. Ils ne sont que des consommateurs.
Donc, ils n'ont pas de champ, ils n'ont pas de terrain. Et puis, ils ont trouvé des gens pour dire, non, je vais prier pour toi, tu vas devenir très riche. Mais tu n'as rien créé. Comment on peut prier pour toi et puis tu vas devenir riche si tu n'es pas, tu n'as rien créé? Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui vit sur le salaire, cette personne est sous malédiction. On ne peut pas devenir riche avec un salaire. Celui qui prend le salaire est ouvrier, c'est ce que la Bible dit. L'ouvrier mérite le salaire. Donc, tant que tu es ouvrier, c'est ton salaire. Donc, ton salaire te fait ouvrier. Le chef d'entreprise n'a pas besoin de salaire. Le chef d'entreprise, là, lui, là, il a les bénéfices. Le chef d'entreprise a des bénéfices, mais l'ouvrier a le salaire. Donc, tant que tu cours après le salaire, tu es ouvrier. Tu rends riche quelqu'un, et puis bon, voilà. Qu'est-ce qui a créé le boom économique en Afrique qui est en train de déranger même le système européen? Le boom économique qu'on est en train de voir en Afrique vient du fait que les micro-finances et les qu'on appelle les macro et structures économiques, c'est-à-dire les petites activités, ont commencé à donner de l'argent. Et ça a rendu vraiment puissant l'économie africaine. Donc, qui n'entreprend pas n'a pas Elohim, la nature, Elohim. Donc, tu dois prier pour dire, Seigneur, je veux créer. Il faut que tu crées une entreprise. Il faut que tu crées quelque chose. Il faut que tu montes un commerce. Il faut que tu aies un projet. Il faut quelque chose pour mettre l'onction dedans. Et si tu es stérile en idée, la créativité, c'est idée. Donc, Dieu dit que la lumière soit. Si Dieu n'avait pas pensé à la lumière, il n'allait pas le créer et il n'a pas le proclamé. Donc, il a pensé à la lumière, il l'a créé et il l'a mené à l'existence. Donc, c'est les trois étapes pour monter, pour savoir que tu es la nature Elohim. Avoir la pensée, l'imagination fertile. Et puis maintenant, quand tu as une imagination fertile, tu penses à quelque chose et puis tu amènes la chose à l'existence. Voilà. Isaac a pensé à un champ, il a obtenu. Une femme, on a dit qu'il y a une femme, la femme vertueuse, elle pense à un champ et sa main droite l'acquiert. C'est très important que tu pries maintenant pour que Dieu te donne l'esprit Elohim, la créativité. Et qu'un jour on dise que toi aussi tu as créé quelque chose. C'est ce que tu as créé qui peut se multiplier. Tu ne peux pas multiplier ce que quelqu'un d'autre a créé. Si tu multiplies ce que quelqu'un d'autre a créé, c'est la personne que tu multiplies. Je donne un exemple. Prenons l'exemple d'une entreprise, par exemple, comme me dit, on appelle, qu'est-ce que je vais prendre? Sans faire la publicité, je prends l'exemple de McDo, que tout le monde connaît. Et puis toi, tu dis, bon, je suis représentant de McDo dans 10 pays. Et j'ai 200 magasins de McDo. On ne te connaît pas. Tu n'as fait qu'aider McDo à se faire connaître. Tu parles des perdièmes, mais on ne te connaît pas. Parce que ce n'est pas toi qui as créé. Donc, le grand problème des gens, c'est qu'on sous-traite chez les gens, on glane chez les gens, et on se dit, non, je suis riche. Tu ne peux pas dépasser quelqu'un qui a bâti son truc. Donc, il faut créer. C'est pourquoi tous les riches que vous voyez aujourd'hui, c'est les gens qui ont créé. Prenez Microsoft, il a créé. Facebook, il a créé. Google a créé. WhatsApp a créé. Tu voyez? Tout cela, ils ont créé. Quelque chose qui n'existait pas, ils ont créé. Les gens ont commencé à l'utiliser. Et puis, ils sont devenus très riches. Vous voyez? Aujourd'hui, quand les gens réfléchissent jusqu'à il y a bientôt, avec la maladie que nous avons, ils vont créer des vaccins. Tu vas te fatiguer, tu vas faire. C'est ça. Parce que c'est eux qui ont créé, ce qu'ils créent domine. Tu n'as rien créé. Tu ne crées pas. Tu vivotes. Tu n'as pas d'entreprise. L'onction là. Il faut avoir des vases vides pour mettre l'onction dedans. Donc il faut prier pour dire, Seigneur, je veux avoir un esprit fertile en créativité. L'imagination fertile. L'imagination fertile. Et j'ai lu ma Bible et je me suis rendu compte que c'est ça qui a fait que Salomon est devenu très riche. Parce que l'intelligence de Salomon, là, au fait, il avait une imagination tellement fertile que
il pouvait penser à une chose et la mener à la réalisation. Et cette chose-là changeait la nature des hommes. Sa manière de régler les problèmes n'était pas naturelle, c'est surnaturel. Il avait des solutions surnaturelles. C'est ce qui l'a rendu puissant. Vous savez, quand tu as l'intelligence et que tu as l'imagination fertile, là, tu peux désarmer une armée. Tu peux désarmer un gars qui a le gros bras à cause de ton imagination fertile. Il faut créer. Il faut que tu crées. Il faut que tu aies la créativité. Il faut que la nature Elohim soit réveillée en toi. Elohim, il pense à une chose. Alléluia. Il a l'idée, il pense à ça. Il proclame pour que l'amener la chose. Et il parle de ça. Et puis, il lui donne une forme. C'est les trois niveaux. Pense à quelque chose. Amène cela. Dis la chose. Et puis, donne la forme. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu forma l'homme avec la poussière. Et Dieu donna maintenant la bénédiction, la mission à l'homme. Tu vois un peu, non? Il faut que tu penses. Il faut que tu crées. Pense à quoi? Qu'est-ce que je vais créer pour que Dieu m'enrichisse? Ne sois pas en train de gêner, prier pour lui. Dieu dit, je serai milliardaire. Plein sont morts comme ça, ignorants. Parce qu'on leur a prophétisé que je vois beaucoup d'argent dans ta main. Tu seras très riche. Mais ça fait 25 ans, tu n'as pas vu 100 000 même. Parce que ce que tu oublies, quand tu n'as pas un champ, tu ne peux pas devenir riche. Moi, je suis enfant de cultivateur, de planteur. Si tu n'as pas défriché un champ et tu n'as pas mis la graine à terre, tu ne produiras pas. Si tu prends les graines et puis tu allais jeter dans un champ et dans les herbes sauvages, et puis pour dire que bon, j'ai planté, les oiseaux vont non seulement l'enlever, mais quand ça va pousser là, c'est mélanger des herbes sauvages. Comment tu vas faire pour faire la moisson? Donc, il est important pour toi. Pense à qu'est-ce que tu vas créer. Il faut sortir dans la mentalité d'ouvrier. Travailler pour les gens pour avoir l'argent, c'est un temps. Ça te permet de souvenir à tes besoins, le temps que tu puisses monter quelque chose. Rêver à créer. Celui qui crée commence à rentrer dans le vrai sens de la domination. On ne peut pas dominer si on ne crée pas. Donc, créateur. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce que Dieu a dit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a fait à son image et à sa ressemblance. Donc, si nous devons ressembler à Dieu, Dieu est unique par sa parole. Il est unique par ses actions. Il est unique de par sa nature, qui est une nature sans limite. Alléluia. On ne peut pas donner des limites à Dieu. On ne peut pas voir Dieu, mais on ne sent que les effets de Dieu. Alléluia. Donc, si Dieu, nous devons ressembler à Dieu, on doit ressembler à Dieu comment? Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, notre Jésus que nous adorons, la Bible dit, il est unique de par sa venue. Il est unique de par sa naissance. Il est unique de par sa mort. Il est unique de par sa vie sur la terre, parce que ses paroles, c'est unique. Les gens disent, on n'a jamais vu un homme parler comme lui. Il est unique de par son existence sur la terre. Il est unique de par sa résurrection. Et il est unique parce que c'est lui seul qui reviendra pour juger les nations. Unique. Donc, tu dois être unique. Il y a quelque chose qui doit venir sortir de toi. Là. On n'a jamais vu ça quelque part. Ce n'est pas que tu as essayé de prendre pour quelqu'un et puis tu as collé et puis ça ressemble. Non, ça vient de toi et c'est unique. C'est dans ça qu'on voit l'onction réelle de ce qu'on appelle la créativité. Alors, prie pour que tous les esprits qui te combattent, pour ne pas que tu aies une mentalité fertile. Il n'y a personne de pauvre. Personne sur la terre n'est né pauvre. Non. Le pauvre, c'est juste celui qui n'a pas compris ce que c'est que la créativité ou bien l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Il ne faut jamais penser qu'il y a trop d'entreprises. Il faut entreprendre. J'ai vu un phénomène qui a
explosé dans le monde entier avec la crise que l'Afrique a connue, c'était le phénomène de Western Union. C'était un petit jeu. Aujourd'hui, ça s'est répandu dans toutes les nations. Après, j'ai vu le phénomène aujourd'hui des téléphones mobiles portables. Si vous allez en Afrique, les gens, ils s'appelaient, mais quand il y a eu des crises, ils ont vu, bon, je prends mon téléphone pour téléphoner, puis bon, tu me mets des crédits. Et c'est comme ça qu'ils ont créé. Et les gens qui ont l'entreprise ont commencé aujourd'hui. Si vous allez en Afrique, ceux qui font les téléphones mobiles sont devenus des banques. Ils sont en train de faire la télé, tout ça là. Et c'est avec le peuple qu'ils se sont rendus qu'ils pouvaient se rendre riches. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a commencé. Un petit phénomène qui a explosé. Donc, la créativité. Il y a des gens qui doivent être là en train de réfléchir. Ou, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me rende riche? Il ne faut pas aller gêner, prier, et puis dormir, et puis en tant qu'un jour, là, Dieu va jeter des cartons d'argent dans ta chambre. Même si Dieu a fait à une, deux personnes, là, ça ne peut pas se passer tout le temps. Et puis ça même là, il ne faut pas rêver. Arrête de trop prier sans avoir d'idée, d'imagination. Arrête de chasser seulement tous les démons. Est-ce que vous savez que la créativité même chasse la pauvreté, chasse même certaines choses autour de toi? Une fois que tu as de l'imagination fertile, tu es capable de dribbler le diable. Tes ennemis, les gens qui pensent que tu connais, t'es étudié, il faut que tu sois tellement rempli d'imagination que de la créativité. Que si on te ferme une porte, il y a une autre porte qui s'ouvre. Si on te territ quelque part d'autre s'ouvre. C'est ça Isaac. On lui ferme un puits, il ouvre un autre puits. On ferme un autre puits, il ouvre un autre puits. On ferme un puits, il ouvre un autre puits. Jusqu'à les gens se sont venus dire, mais vraiment, nous-mêmes nous sommes dans notre propre pays. Lui c'est un étranger, mais il trouve de l'eau toujours. Il vaut mieux faire alliance avec lui parce que lui là, il est trop, sa tête est trop loin. Tous les gens qui ont été bénis dans la Bible, c'est les gens qui avaient la tête. Quand on dit la tête, l'imagination fertile. Il y a des gens qui ont la tête pour voler. Il y a des gens qui ont la tête pour faire des bêtises. Mais il y a des gens qui ont la tête pour crier, pour verser le monde. Alors, fais tes points de prière. Dis à Dieu, donne-moi des idées. Donne-moi des idées. Donne-moi de vivre la créativité. Ton intelligence va marquer la différence. La créativité, tu n'es pas encore fini. Quel que soit ce que l'homme va prendre à toi, tu es un puits. Un puits ne tarit jamais. Écoute-moi bien. Jésus a dit, je suis un puits. Mais vous venez puiser dans l'ancien puits qui est la tradition. Mais la tradition là, ça finit. Mais moi, je suis un puits éternel. Si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif. Et Jésus dit, venez à moi. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vont jaillir de vous. Des sources d'eau vont jaillir de vous. Quand Dieu appelle Abraham, il dit, je te rends grand, je te bénirai. Et tu deviendras une source, un puits de bénédiction. Quiconque te bénira sera béni, quiconque te maudira sera béni. Quand on dit quiconque là, tout le monde, toute la terre. Donc tu es un puits. La créativité fait de toi un puits. Les gens ne peuvent jamais te détruire. Ils prennent, ils pensent qu'ils ont fini, mais c'est maintenant même que tu as le dépôt. Quand tu as la créativité, c'est ça. Quand tu as la créativité, des nations entières peuvent venir puiser. Ils s'en vont, mais il y en a encore. Salomon, même dans sa faiblesse, il est resté un roi prospère. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Même quand Dieu commençait à avoir des problèmes avec lui, il concentrait encore, le peuple était en prospérité. Et la Bible dit, au temps de Salomon, l'argent était devenu commun. Personne n'empruntait l'argent sur son commerce. C'est comme des cailloux. C'est écrit dans la Bible que l'argent était comme des cailloux. La prospérité était partout. Parce que son intelligence a rendu le pays puissant. Et on lui envoyait combien de lingots d'or par an? Ça dépasse les budgets des États que nous avons. Plusieurs nations rassemblées ne font pas le budget de Salomon. Tout simplement parce que Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse. Ce qui sont ce que je vous dis. Dieu a bâti le monde sur la sagesse. Donc c'est Elohim. La sagesse,
C'est la nature de la créativité. Alors, je t'ai donné tout déjà. Va aujourd'hui, fais la prière. Dis, Seigneur, rends-moi intelligent. Rends-moi surdoué. Donne-moi d'avoir des idées. Je veux entreprendre. Je ne veux plus être une personne qui attend toujours de tendre la main pour qu'on me donne. S'il te plaît, ce n'est pas une bonne vie. Déjà même là, à tous les niveaux, moi je crois ça. Je crois au partage. Mais je ne crois pas à la mendicité spirituelle. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ce truc-là où ta vie dépend de quelqu'un. Je ne crois pas à ça. Et j'ai toujours un challenge avec Dieu. Tu me dis, je m'appelle béni de Dieu. Si je m'appelle béni de Dieu, où est la différence? Si je dois commencer à courir auprès des gens pour avoir quelque chose, la créativité. Abraham a dit quelque chose à Abimélec. Abimélec voulait donner des choses à Abraham. Abraham dit non, je ne prendrai rien de toi. De peur que tu ne dises que c'est toi qui m'enrichis. Mon Dieu s'occupe de moi et pouvoir m'aider. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une manière de comprendre que quand tu marches avec Dieu, Dieu bénit. Mais Dieu ne bénit pas l'air, il bénit la créativité. Il dit, l'huile, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et la coupe qui est dans ta main déborde. Psaume 23. L'Éternel oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lis bien ce passage. Comment est-ce qu'on oint ta tête et que c'est la coupe qui déborde? La coupe, là, c'est ce qui est dans ta main. Donc quand l'onction véritable vient là, l'onction cherche ce qui est dans ta main. C'est l'œuvre de tes mains. Dieu dit, je bénirai toute œuvre de tes mains. Donc si tu n'as rien dans la main, tu n'auras pas la bénédiction. C'est ce que tu as créé, c'est dans ça que l'onction rentre. L'onction court sur la tête, hein, mais c'est l'œuvre, la manifestation de l'abondance. C'est dans ce qui est dans ta main. Tu n'as rien créé, tu vas mourir pauvre, esclave des gens. Mendicité chronique. Tu es toujours en train d'appeler les gens, ça ne va pas, aidez-moi. Ce mot-là est compliqué. Comment je vais faire? Toujours, c'est toi, toujours. Tu ne veux jamais aider les gens. On ne peut jamais voir de l'abondance. Je maudis cela dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir de maintenant, cette partie-là est activée dans ta vie. Une autre chose, il ne faut pas avoir peur. Ceux qui disent, j'ai perdu toute ma vie, là, ça n'existe pas quand tu as la créativité. Abraham, on a lui arraché des choses. Mais Abraham n'a jamais pleuré. Lot a pris tout à Abraham. Mais la Bible dit, quand Abraham s'est arrêté, Dieu dit, là où tu es arrêté, c'est maintenant la bénédiction a commencé. Quand tu as la créativité, peu importe ce que les gens t'ont pris, peu importe ce que les gens t'ont pris, tu ne pleures pas pour ton passé. Tu affrontes le futur. Les quelques années qui se restent devant toi, tu dis, ça là, je vais faire quelque chose avec. C'est ça. Tu dis, tu penses que tu m'as fini. Tu ne m'as pas fini, hein. Parce que tant qu'il y a encore une autre clé qui est cachée, la créativité, je peux devenir puissant, je peux devenir riche. L'esprit de la créativité. Prie pour que Dieu mette en toi la créativité. Crée une entreprise. Il y a la richesse partout. Il y a l'argent partout. Il y a le bonheur partout. C'est juste que tes yeux de la créativité, de la Elohim, tes yeux sont fermés. Tu es aveugle, tu ne vois pas. Ceux à qui Dieu a donné d'aller à la grâce pour aller à l'école, allez à l'école. Ceux qui n'ont pas encore la grâce d'aller à l'école, priez, Dieu va vous donner de la créativité. Il n'y a pas d'âge pour devenir riche et puissant. Il y a seulement la volonté et la connaissance. Voici les deux choses qui rendent les gens puissants. C'est la volonté et la connaissance. Comment est-ce que des gens qui sont vieux, 75 ans, 80 ans, ils sont présidents, ils vous gouvernent encore? Et ils ont encore des idées pour gouverner. Vous pensez que tout le monde peut avoir 80, 85 ans et puis gouverner? Il faut être vraiment rempli d'intelligence parce que tous les jours, on veut te faire coup d'état. Il y a des trucs qui viennent. C'est quelque chose de terrible. Hein? Mais ceux-là, ils sont encore là pour déjouer les pièges de l'ennemi et avancer. Toi, tu n'as même pas encore 70 ans que tu te dis fini. Alors que la créativité peut te donner de la renaissance. Le travail donne à l'homme de vivre longtemps. J'ai vu ça avec mes parents au village. Le travail donne à l'homme de vivre longtemps. C'est la retraite qui tue. La retraite là, on t'accompagne dans ta tombe. Mais ceux qui travaillent pour toujours, ils ont souvent la longévité. Ils sont solides. Alors crée un boulot, crée quelque chose.
où tu as investi ta vie, tu as investi tes années, ce qui va te donner une longévité. Et l'abondance viendra de là. C'est la nature Elohim. Je t'ai donné tous les points. Si tu écoutes cette vidéo, je pense que tu as beaucoup de sujets de prière. Et arrête de pleurer, de courir après les gens, dit personne ne m'a aidé. Chacun est né avec son magasin de bénédictions. Je vous répète la phrase que ma mère me dit toujours, je vous dis ça. Elle m'a dit ça pendant des années, j'ai gardé. Elle dit, ton père ne t'a pas laissé d'héritage. Ta mère ne t'a pas laissé d'héritage. Tu vas manger chaud. Ce qui veut dire, si tu veux réussir dans la vie, apprête-toi à te battre. Ne joue pas avec le temps. Ne joue pas avec les opportunités. Ne joue pas avec ta vie. Comprends une chose, la vie est un combat. Et tant que tu es vivant, il y a de l'espoir pour réussir. Tant que tu as le souffle de vie, ne t'assois pas, combat, bats-toi. Et un jour, tu y arriveras. Je vous donne cette clé. Levez-vous. Commencez à rêver. Commencez à avoir de l'imagination. À penser ce que vous êtes capable de devenir d'ici demain. Et commencez à dire, ce que j'ai appris, je peux créer. Ce que j'ai comme talent, je peux prier avec. Ce que j'ai reçu comme instruction, je peux prier avec. La connaissance divine que Dieu m'a donnée, je peux prier avec. La vision peut m'amener à créer. Et activer votre capacité de la créativité. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.